Tech est depuis sa création en 1997 un lieu emblématique de rencontres, de découvertes. Elle incarne l'esprit du jeu, de partage, de convivialité qui est si cher à Maison Lafitte. Aujourd'hui, en déménageant vers ce nouvel espace, nous renouvelons notre engagement envers les valeurs qui font de notre communauté un endroit exceptionnel, un endroit où les sourires des enfants illuminent les espaces et où les familles se réunissent, les amis partagent des moments inoubliables. Quand on voit ce qui se passe maintenant, il y avait 300 familles inscrites avant, il y en a 350 qui sont inscrites aujourd'hui, donc il y a un mouvement. Et en fait, c'est aussi parce qu'on offre cet espace qu'on crée la possibilité d'une demande dans les familles. Donc en fait, on le devait aux familles, et il y a un devoir du service public que Jacques Niard connaît bien, c'est le principe d'évolution, de mutabilité, c'est-à-dire la capacité de s'adapter pour le service public aux besoins des habitants, à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est vivant. C'est pas quelque chose qu'on a pour soi dans sa tête, dans sa vision. C'est la population aussi qui vous le dit, son intérêt général. Et oui, effectivement, la population de Maison Lafitte, de ce point de vue-là, a un besoin et on y a répondu. Maintenant, je voudrais quand même, je dirais, insister sur plusieurs choses. Nous, les adultes, nous sommes responsables des enfants. Nous devons les porter. Vous connaissez cette formule instituteur, c'est instituer, c'est-à-dire élever. Et c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire c'est quelque chose qui aide la responsabilité des adultes. Nous sommes responsables de leur donner justement ce viatique, ce capital, je dirais, de bonheur pour qu'ils soient accompagnés leur vie durant et sur lequel ils vont pouvoir se replonger à chaque fois pour repartir lorsqu'il y a des vicissitudes. Et c'est très important. J'ai toujours dit qu'effectivement, c'était un capital qu'on apporte avec soi toute sa vie. Voilà pourquoi je ne peux que me féliciter de cette réalisation.